етап читання перед диктором. Якщо ти впевнений в правильності свого читання після диктора, почни читати перед диктором. На паузу тут вже не натискати. Якщо все виходить бездоганно, поздоровляю, текст ти підкорив. Отже, приступаємо до читання тексту перед диктором. Aujourd'hui, dans mon blog, je vais vous parler de quelque chose que j'adore, le théâtre de rue. C'est un mélange de théâtre et de cirque avec des spectacles qui se déroulent dans la rue. Pour faire du théâtre, on a besoin d'une scène. Pour le cirque, il faut un chapiteau. Pour le théâtre de rue, on a besoin de la rue et pas besoin de billets d'entrée. En été, il y a beaucoup de festivals de théâtre de rue en France qui s'adressent à tous les publics. Il s'y passe souvent des choses incroyables. Une fois, par exemple, une poubelle s'est mise à marcher derrière moi. Une autre fois, j'ai rencontré des sortes de zombies qui chantaient avec une voix fantastique. C'était dingue. Je n'avais jamais vécu des choses comme cela avant. Aujourd'hui, dans mon blog, je vais vous parlez de quelque chose que j'adore, le théâtre de rue. C'est un mélange
de théâtre et de cirque avec des spectacles qui se déroulent dans la rue pour faire du théâtre. On a besoin d'une scène. Pour le cirque, il faut un chapiteau. Pour le théâtre de rue, on a besoin de la rue et pas besoin de billets d'entrée. En été, il y a beaucoup de festivals de théâtre de rue en France qui s'adressent à tous les publics. Il s'y passe souvent des choses incroyables. Une fois, par exemple, une poubelle s'est mise à marcher derrière moi. Une autre fois, j'ai rencontré des sortes de zombies qui chantaient avec une voix fantastique. C'était dingue. Je n'avais jamais vécu des choses comme cela avant.